C'est intéressant de voir, c'est cette manivelle, cette pielle, qui fait fonctionner ici, vertical. Ça, c'est extraordinaire. Des débris de paille. Là, vous avez ventilation, tout ce qui est léger va partir en arrière. Et le grain va ressortir de l'autre côté. Ici. Et puis là, vous avez une chaîne de poignée qui remonte le grain pour venir un peu de ça. Voilà. Pour ce qui est. Là, vous avez la fumée, donc vous avez deux chariots. Il y en a un qui est plus grand que l'autre parce qu'on peut scier d'un charpin jusqu'à 12 mètres. Plus ça va vite. Si vous êtes d'accord, on va faire un essai. Je mets deux trous de plus et on verra si ça va plus vite. Voilà, deux trous de plus. Mais c'est pas instantané. Il faut attendre que l'eau descende.
avait deux meules. Il y en a une qui est petite, qui s'appelle la meule d'homme. La deuxième, celle qui tourne, c'est la meule voleur. Par la fenêtre, on voit que cette meule voleur, elle tourne pas à plat. Elle oscille. Elle monte, elle descend. Regarde, elle est en bas. Elle remonte. Vous voyez comme elle travaille. Dessus, vous avez l'entonnoir. La meule voleur tombe centrale. Si le nid est en grève, va tomber sur la meule d'homme. Elle va casser, foyer, voûte jusqu'à la fin de la Paris. Et avec la pression du grain de l'intérieur, ça va pousser la farine à l'extérieur. Et comme la meule tourne, ça va faire passer la farine là le long, qui va descendre ici. Elle arrive dans le tamis. Et là, la farine est tamisée. Elle va tomber dans la caisse qui est en dessous sans faire de bruit. Pourquoi ? Pourquoi la farine ne fait pas de bruit dans l'air ? C'est tellement léger. C'est un jeu. La farine ne fait pas de bruit dans l'air. C'est tellement léger. On y enlève le sang.